Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes avec le Droid Tech. Bonjour les droïdes. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur Nintendo Switch pour la présentation d'un jeu que je viens tout juste de télécharger sur l'eShop. J'ai nommé Astérix et Obélix XXL 3, le menhir de cristal. Voilà, vous pouvez le voir sur votre écran. Donc le jeu est disponible depuis le 21 de mémoire, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça, voilà, depuis le 21-11-2019. L'APEGI, c'est 7 ans. Au niveau des langues, français, anglais, allemand, etc. Au niveau de la taille, ça fait environ 2 gigas, plus ou moins, installé sur la console. Du coup, on va l'essayer ensemble. C'est la première fois que je lance sur ma Nintendo Switch. Donc, on va voir ce que ça donne. Puisque différents gameplay, let's play ont été faits sur différents supports. Parce qu'il faut savoir que le jeu est sorti sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, macOS et tout ça. Le développeur c'est Awesome Studio et l'éditeur c'est Unaman Interactive. Donc voilà pour les informations. Et du coup on va découvrir ensemble ce nouvel opus, ce que ça donne. Et puis je vous donnerai mon ressenti par rapport à ce jeu. Donc grosse amélioration par rapport à ce jeu, c'est le mode coop où on peut jouer à deux joueurs, ce qui n'était pas disponible dans les versions précédentes. Je vais pas trop vous spoiler le jeu, mais on va voir ensemble. On va se mettre en facile. Donc là il y a le coop. Donc moi je suis tout seul encore une fois, pourquoi pas inviter le Droid Geek la prochaine fois pour cette partie par exemple en live pour continuer le jeu. Si vous voulez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se mettra prochainement en live sur YouTube ou Twitch ou Mixer. Tout dépendra en fait de nos envies et tout ça. Et j'ai pas dit, le jeu coûte 40 euros, 39,99 € sur l'eShop. Donc il n'y a pas de promotion. Par contre, j'ai vu que le deuxième était archi pas cher, il devait être à 12 euros sur l'eShop. Donc pour ceux qui n'ont pas joué au deuxième et qui voudraient jouer au deuxième, bah n'hésitez pas à vous lancer dans l'aventure. Donc les temps de chargement, ça va. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. D'ailleurs, profitons de cette belle journée pour leur rendre une petite visite. Voici le chef Abraracoursix, aujourd'hui sans ses porteurs. Assurance Tourix, le barde, tente de composer une chanson douce, comme lui chantait sa maman. Et Panoramix, le druide, nourrit ses colombes. Bref, rien, mais alors rien, ne laisse présager que de sombres événements se préparent. Et que de terribles épreuves attendent une fois encore nos amis Astérix et Obélix, les deux plus valeureux guerriers du village. Ah oui, au fait, où sont-ils nos héros? Le Garum Lupus. Ça veut bien dire garolou, Astérix. Non, Obélix, le Garum, c'est le condiment et Lupus est le nom du fabricant. Bon. Rentrons au village et passons prendre des nouvelles de Panoramix, notre druide. Notre druide marche bien mieux depuis qu'il ne tombe plus des arbres. Ou que personne ne lui lance de venir. Hein, Obélix? Donc voilà, je vous ai laissé l'intro. Donc l'intro, j'ai trouvé un petit peu pourrite. Je sais pas vous, moi c'est perso. Hein. Là, je rappelle, on est sur Nintendo Switch. Même là, au niveau graphisme, c'est pas top top top. J'ai vu les versions PC et tout ça. Bon, après, évidemment, si on joue avec une bonne carte graphique et... Bon, il y a le processeur, la RAM qui va derrière, on peut optimiser, mais là sur Nintendo Switch, on voit qu'on est encore sur une limite de la console. C'est pas super propre, on le voit bien hein, au niveau Obélix, là sur Garde Obélix, Astérix. C'est pas clean, 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 c'est limite un peu flou, je trouve. Après, c'est mon point de vue, n'hésitez pas à me dire votre point de vue dans les commentaires. On en discutera ensemble. Donc c'est parti, donc là on nous a demandé d'aller. On va découvrir un peu les commandes. Donc j'appuie sur Y. Voilà, une mandale. X me donne rien, A me donne rien, B permet de speed. Ok, le joystick de droit me donne rien, le joystick de gauche me permet de déplacer Astérix. Voilà, LR, ZR, tout ça ne fonctionne pas non plus pour le moment. Est-ce qu'on peut... Oui, on peut casser. Ok, c'est super. On peut taper les poules. Voilà, ok. Bon, on va essayer. Bon, graphiquement, c'est pas ça qui est ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ok, le village. Je peux sauter. Ok.
et de ne pas tomber en marchant sur elle. Hop. C'est pour les futures missions. Ah, on va taper du romain enfin. Nickel, bon, assez rapide. Donc ça confondra, enfin ça confondra, non. Ça, c'est nickel pour les enfants, tous ceux qui sont fans d'Astérix et Obélix, ça leur plaira absolument. Après là je joue en mode dock, à voir ce que ça donne en mode portable, des moments les jeux sont beaucoup plus beaux en mode portable. Et... Donc là je suis comme vous, hein, je découvre le jeu, passage électrique. Voilà. Ok. Donc là faut appuyer sur A. D'accord. Pour contrôler, d'accord. Donc là, contrôler Obélix, d'accord. Voilà. Donc là, je peux switcher d'un personnage à l'autre avec ZL. On le voit. Bon, voilà. Donc là, on met une mandale. À mon avis, les Romains ne vont pas mettre longtemps à se faire éclater avec Obélix. Puisqu'il est tombé dans la potion quand il était petit. Il le demande à tout le monde. Donc, je crois qu'on peut soulever quelque chose avec Obélix. Bandit le rocher. Ok. Et ben ça c'est bon à savoir. Voilà, hop. À toi, Astérix. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner quand on va pouvoir Dis Astérix, j'ai faim. Obélix, non. T'arrive-t-il de penser à autre chose? Gros point fort, hein, je le dis, mais la langue française et les sous-titres en français, ça, c'est du lourd. On n'y pense pas assez, mais c'est toujours bon de les avoir. Par contre, Obélix est en train de bugger, là. Voilà, allez, c'est parti. Donc, petite musique derrière qui est sympa. Bon, je tape les animaux. Chasse au sanglier. Donc là, on va laisser Obélix. Voilà, grosse mandale, 2x1. Ok, donc là on récupère. Super. Donc là je suis devenu Astérix. Passer tranquille. Donc sur L. D'accord, donc là on peut voir. Voilà, du coup c'était fait direct. Donc c'est clairement un jeu de plateforme. Pour ceux qui se posaient la question. Astérix, tu sens ce que je sens? On dirait du sanglier. Bon, je l'ai perdu le sanglier. Tant pis. Et on y va. Donc il n'y a pas moyen de contrôler la caméra non plus. Donc là voilà. Donc là j'ai pas l'épée. D'accord. Bon. Donc là j'ai appuyé sur L du Joy-Con de droit. Il y a la potion. Et... Pas trop mal pour le moment. C'est bien pour les enfants, c'est pas trop compliqué. Là, ça se laisse jouer hein, tranquillement. Salut à toi, oh Panoramix, notre droïde. Bonjour mes amis, comment s'est passée la chasse ce matin? Justement, je me sens un peu faible en ce moment, Panoramix. J'aurais bien besoin d'un petit remontant. Obélix, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je ne peux pas te donner de potion magique. Tu es tombé dedans quand tu étais petit, et... Oh bonheur, oh bonheur! Tiens,
C'est Pneumatix, le facteur. Que t'arrive-t-il, Pneumatix? Dans la forêt, on m'a volé ma sacoche avec tout le courrier du village à l'intérieur. Des voleurs de courrier? Ah, ça c'est un coup des Romains, ça ne fait pas un pli. Pourquoi les Romains voleraient-ils notre courrier, Obélix? Ne dis pas n'importe quoi. Ils sont timbrés, ces Romains. En plus, ils suivent toujours les ordres à la lettre. Si ça, c'est pas des preuves... J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé assis contre un arbre. Pardon, mais ce que tu décris là, Pneumatix, ressemble surtout à un abandon de poste. Puisque je vous dis que j'ai été vraiment attaqué, j'ai encore la tête qui tourne. Cette histoire de vol de courrier est très étrange. Astérix, Obélix, allez faire un tour dans la forêt et tenter de résoudre ce mystère. Bon, bah parfait. Première mission. Voilà. Trouver le lieu de l'agression. Donc on va prendre Astérix et on va voir ensemble. Ok. Oups. Continuer par là. On peut pas y aller. Dans le village. Ah, il est bien assez bien modélisé. Là, le chef du village. Et voilà, on sort du village. Donc ça, c'est super bien d'être guidé. Plus vite, Obélix. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Hop. Je sais pas si je peux le soulever. Non, je crois que je peux toujours pas le soulever. Oups. On va bien prendre le rôti, là. D'accord. Si je me trompe de touche. C'est fait. Et voilà. Ah, du coup, il y avait une caisse. J'aurais peut-être pu l'atteindre. Non, je peux pas. Tant pis. On va repasser avec Astérix. Voilà. Là, il y a des oiseaux. Non, c'est pas des oiseaux. C'est des champignons. Autant pour moi. Hop. Et on y va. Là, on va chercher les arbres. On va trouver des Romains, Obélix ? Oh oui. On en trouve toujours dans les forêts en cette saison. Ok, donc là j'ai ma jauge. Pas de doute, il y a du sanglier par ici. Temps de cuire des champignons quand j'ai cru entendre détonner les patrouilles romaines. Ah, d'accord, donc là ils ont pas mis les voix, juste le texte. Ça aurait été bien d'avoir les voix, au moins cette fois-ci. Donc l'idée de taper les sangliers comme ça pour augmenter, c'est pas mal. Voilà, donc avec Obélix on est tranquille. Hein. Vu la force qu'il a. Hop. Bon là on a mis le jeu en mode facile. Hein. On pourrait essayer. Hop. De voir ce que ça donne. Oula, on nous attaque quand même. Bien, là, je peux manger. Oula. Petite musique derrière, sympa. Ça fait passer le jeu. Au niveau de la prise en main, elle est correcte. C'est réactif. On se souvient rapidement des commandes. On recherche pas les commandes à gauche, à droite. Là, j'ai pas encore testé les coups spéciaux. Stéphix, tu sens ce que je sens? Oui, le sanglier. Voilà. Ah. C'est pas grave. Donc là, j'ai pratiquement la jauge au max pour Obélix. Bon, la caméra nous suit, on peut pas la déplacer, ça c'est un peu embêtant. Parce que du coup, recadrer des moments la caméra pour pouvoir voir à 360 l'environnement pour chercher, détecter des choses, c'est pas mal. Là, on peut pas. Astérix et Défix a trouvé quelque chose. Des bouts de marbre, c'est le courrier de Pneumatix. Il semble indiquer le camp de Petit Bonhomme. Attends-moi ici, Astérix, je vais chercher le courrier, je ne serai pas long. Et une seconde, Obélix. Et si pour une fois on leur demandait poliment aux Romains, en arrivant au camp, on pourrait frapper avant d'entrer, par exemple?
C'est ce que je comptais faire, Astérix. Quand je serai devant lui, je frapperai le garde avant d'entrer. Je ne savais pas que ça s'appelait demander poliment, mais si tu le dis... Par contre, tout a été respecté par rapport au dessin animé. On le voit bien, la posture d'Obélix, comment marche Astérix aussi. À toi, Astérix. Chic, chic, chic des Romains. Donc là, quand j'utilise les coups spéciaux, on le voit bien en haut. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai ma jauge qui descend. Hop. Voilà, donc je perds... Voilà. C'est pas de la puissance, mais je perds des coups spéciaux. Donc 3, baf. C'est pas mal ça. C'est pour ça qu'autant casser les caisses et le décor autour de nous pour récupérer un maximum. Pour farmer quoi. Mais sinon ça se laisse jouer tranquillement. Je vous le dis. C'est prenant. Mais par exemple ce jeu là j'y jouerai pas en mode en mode doc. Vraiment en mode portable pour le terminer quoi. Je me pose, j'ai 5-10 minutes à jouer. Bah, je vais lancer XXL3. Et je vais jouer comme ça. Par contre de là à me poser sur la télé pour le terminer je pense pas. C'est pas le genre de jeu qui va me... Moi, personnellement. Donc, ZDR. Alors, envoyer des fixes attaquer les Romains. Donc, j'appuie sur ZDR, mais il se passe rien. Ok. Bon, là, ça a pas marché. D'appuyer sur ZR. J'appuie sur ZR mais il se passe rien. Donc j'ai rien fait de... On va switcher. Ok donc là les Romains disparaissent. Non, non. Allez hop. C'est pas mal ce petit coup là. Ah, je veux bien envoyer des fixes hein, mais ça fonctionne pas donc Ah là c'est bon. Ah yeah, c'est bon. J'ai trouvé. Donc en fait on appuie sur ZR quand il y a des fixes. Enfin quand il y a le Romain qui est là, il y a des fixes juste à côté. Voilà. On va switcher. Vite, ne perdons pas de temps. Je taperai bien quelques Romains moi. J'aimerais bien avoir ça là-haut, mais je sais pas si je peux y aller. Comme je peux. Il n'y a pas la fonction de sauter. Sauter, c'est pas disponible. C'est un peu perturbant. Ok. Là, on prend de quoi. Mais on se prend vite au jeu, hein, je peux vous le dire. Vous donnez XXL3 à un enfant, il va kiffer directement. Évidemment, pour tous ceux qui... Enfin moi voilà, je connais très bien les histoires d'Astérix Obélix. Il y a déjà pas mal de dessins animés, de BD qui sont sortis. L'aventure de nos petits Gaulois. Qu'évidemment c'est un plus pour ceux qui connaissent. Après 40€, ce qui vaut vraiment les 40€, voilà on peut se poser la question là. On peut se poser la question sur Nintendo Switch, est-ce qu'on est prêt à mettre 40€ sachant ce qu'il y a derrière et devant. Donc quand je parle de derrière, je parle de Zelda, je parle de Mario, je parle de Luigi. Si j'ai joué entre un XXL3 et Luigi, voilà, moi mon cœur balance plus sur Luigi que sur XXL3 actuellement. Même si, voilà... Par contre, d'occasion, je le trouve à une vingtaine d'euros, 15-20€, oui, je vais me tenter dessus. Donc là, par exemple, ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Je vois pas le temps passer. Donc c'est 20 minutes plaisant à jouer pour moi. C'est vraiment plaisant, je vous le dis. Voilà. Le fait de chercher, de taper comme ça à gauche, à droite.
Bon, on est guidé hein, par le point d'interrogation, d'exclamation, excusez-moi. Le point d'exclamation noir et jaune là. Mais bon, comme je suis en mode facile, c'est peut-être ce qui fait que. J'ai bu de la potion. Oula, carrément détruit tout là. Voilà. C'est pas mal en mode. Voilà. Niveau décor, ça va. Mais on n'est pas dans le top top quoi. On voit ça, ça scintille un peu, c'est pas nickel. Par contre, les animations des personnages sont bien faites là. Par exemple, derrière, quand Astérix. Bah là, il est court, c'est bien fait, c'est propre. Après, voilà, on n'est pas. Je le redis, hein, mais on n'est pas sur PS4, Xbox One ou PC avec une RTX 2080 Ti pour pousser les graphismes à fond. On reste sur Nintendo Switch. Voilà, c'est une console portable. Là, je suis en 1080p. Peut-être que en mode. Justement en mode portable et pas en mode dock, c'est mieux. Hop. Donc la castagne, ça y va à fond. Faudra que j'essaye, je vous donnerai mon avis dans les commentaires. Je vais essayer. Hop, là, on a un truc. D'accord, je pensais qu'en défonçant ça allait. Mais non, pas du tout. Ouais, ouais. Après la vie de la potion magique, on le tient plus. Hein. Ah, je me fais tout le machin tout seul là. Comme dans le dessin animé. Du coup là-dessus. Ah, pas mal l'animation. Du coup, ils sautent en l'air. Vu que je les ai castagnés. Et voilà. Ah, c'est vraiment, vraiment bien fait. Hop. Le Romain il est parti, d'accord. Là je peux pas passer. Donc que ça soit Asterix ou Obélix, au niveau des coups ça reste pareil. Y a pas plus, y a pas moins. Je peux taper les tentes, s'il reste du monde. Ok, là y a rien. Ah si. On va continuer par là. Essayer de chercher. Et c'est parti. Donc l'IA réagit plutôt bien. Assez réactif. On sent qu'il nous laisse jouer. Il est là pour aider, mais. Des moments, on voit bien qu'il est complètement à la ramasse. Hop. Ok, c'est fait. Là, je peux sauter. Donc là, il n'y a pas de dommage quand je saute. Ah, c'est un peu dommage. Hop. Donc, on a toujours la petite aide avec IDFX en appuyant sur ZR. Oula. Là on tabasse bien du Romain comme il faut, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Sacré tente. Hein. Donc la magie des deux compères opère super bien, faut le dire. Même si l'IA est pas là. Là on l'a vu, hein, y a eu un petit combo Astérix Obélix et ça s'est bien passé quoi. Je sais pas ce qu'il a récupéré, on va voir. C'est de monter là-haut. Tout.
La musique est pas agaçante. Merde. Excusez-moi. Donc si vous voulez la suite de ce jeu-là en let's play, en live, ou on continue par épisode, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de vous le faire. Ok, 1 sur 6, mais du coup j'en ai loupé un tout à l'heure. Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer. En changeant de zone, j'espère. À toi, Astérix. À toi, Obélix. Je peux pas le démonter ça. Monsieur Astérix a droit à la potion magique. Ah ouais d'accord. Mais je peux rien faire. Verrouillé. Ça sert à rien parce que du coup j'ai pris une potion mais je peux rien faire. Je peux pas y aller. D'accord. Je suis coincé. Voilà, ça casse rien. Moins plus que deux cœurs. Je fasse attention. Ouais, je commence à. Ah bah, je suis mort. Voilà, super. J'ai pas fait attention. J'ai mal utilisé la potion tout à l'heure, hein. Directement on l'a vu. Petit bonhomme. Et je suis en mode facile. Bon après je vous parle en même temps que je joue, je découvre le jeu aussi. Donc voilà, j'y ai pas joué avant pour vous faire découvrir le jeu. C'est le ressenti à chaud, directement sur le jeu. Et du coup voilà, y a pas toujours que des phases de réussite. Surtout quand on découvre le jeu pour la première fois. Au niveau des commandes, au niveau de l'univers. Ok. Donc là, on se refait un peu le niveau. Ok. Voilà. Donc je suis sûr que tout à l'heure, j'aurais utilisé correctement la potion à bon escient. Ça aurait pas eu de problème. Après, faut pas hésiter à utiliser les coups spéciaux. Ce que j'ai pas fait non plus tout à l'heure. Un peu dommage, mais bon, voilà. Ça permet de découvrir le jeu. 77. Donc là, on appuie sur A. Nickel. Reste ça. Mais non, mais donne pas l'alerte, ça sert à rien. Bon, là, petit bug, vous l'avez vu, hein, il a traversé la rempart. Enfin, le rempart. Ouais, du coup, petit fail. Ce qui n'est pas possible. Dans la vie réelle. Okay. Donc voilà, je lui ai donné la potion et du coup bah, il peut se débrouiller tout seul. On voit un peu si l'IA réagit bien ou pas, le fait qu'il soit sous potion. Mais c'était pas. On l'a vu, hein, c'est pas transcendant. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Bam. Hop, là on les a tous étalés. On est tranquille. Qui va se relever, non. On va éclater les tentes pour être tranquille. Il reste encore un roman, alors on sait jamais. Donc le coup d'Obélix, voilà, c'est vite fait. Hein. On était tranquille. Mec, il est carrément KO. Là j'ai ça, mais je sais pas comment y aller, on va voir. Bon, voilà, avec Obélix on est tranquille. Oh, super. Je peux pas le porter, ça c'est dommage aussi.
que dans la description ils le disent bien, on peut essayer de l'avoir comme ça, je vais voir ce que ça donne. Sinon je vais prendre Astérix. Et ça aussi hein, le let's play découverte. Quand on connaît pas le jeu, bah voilà, il n'y a pas que des phases de réussite. Non, là je veux pas y arriver. Et comme ça. Ah, nickel. Donc c'était Astérix qu'il faut utiliser. Par contre, le fait de switcher sur les deux personnages, j'aime bien. De changer de personnage. Voilà. Ça donne un petit essor au jeu. C'est pas dégueulasse. Alors quand j'en parle, c'est pas dégueulasse, c'est qu'on s'emmerde pas. On est dans un jeu de plateforme. Du coup, le fait de switcher, on peut voir des manières différentes d'utiliser les personnages pour réussir notre mission. Voilà, bah là j'ai plus la potion, mais j'aurais peut-être pas dû. Éclate tous comme ça on est tranquille. L'effet de la potion est vraiment bien fait. Quand c'est nous qui avons enfin quand j'ai Astérix, c'est vraiment bien. Par contre quand l'IA on lui donne enfin quand je donne de la potion et c'est l'IA qui gère, c'est vraiment, tout à l'heure on a bien vu la petite abonnation. Là il en restait un, Obélix il a pas bougé. J'ai pas été dans cette zone là. Ah oui carrément. Donc là il y a eu un jump d'Obélix, voilà on sait pas comment. Petit bug là, pareil, petit bug graphique hein. On le voit bien le tonneau en haut là. Il est en l'air, il tient tout seul. Il n'y a pas de gravité sur ce jeu là. Bon. Donc ça sera corrigé. J'espère hein, dans les. Ok, arrêtez d'épier. Donc là, épier, mais on peut rien faire. Bon. Ok. Hop. Ah, là, j'ai perdu. Tant pis. Encore utiliser la potion à mauvais escient. Bon. Hop. C'est nickel. Ok. Elle est carrément tombée sur sa face. Nickel, excellent. J'adore. Ça aurait été pas mal aussi dans le d'avoir une en OST le bah, ce qu'il y a dans les dessins animés. Ça aurait donné un petit côté épique au jeu. Voilà, okay. Là par exemple, le fait de le voir en blanc, bon c'est pas dérangeant, mais on aurait pu soit avoir une caméra qui nous suit directement, soit pouvoir tourner la caméra, ça aurait été vachement appréciable. Après ça reste mon point de vue hein. Je vais me faire matraquer. Ah voilà. Ça va être beaucoup plus pratique. Hop, donc là je martyrise le bouton Y. Mais voilà. Là j'ai eu un petit freeze, vous avez vu. C'est pas le freeze du record, hein. C'est vraiment le freeze au niveau du jeu, au niveau de la console. Et voilà, on a réussi, enfin. Ok. Donc là, je pense qu'il y a eu trop d'action à l'écran. Et du coup, la console, bah, tant que... Après j'espère qu'il y aura des mises à jour pour corriger tous ces bugs là. Pour donner
termine ça. Pour satisfaire en fait tout le monde à 100%, parce que là quelques bugs, on voit le tonneau, on voit tout. Vous regardez la vidéo en entière, hein, et vous verrez, on remarque pas mal de bugs. Ça dérange pas pour jouer, mais c'est toujours chiant. Bon, sur PC, je sais pas si on a tous ces bugs là. Faudra que je vérifie les autres gameplay des autres joueurs. Mais voilà, sur Nintendo Switch, en version 0.0, hein, parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Ou s'il y a une mise à jour, je me rappelle plus, mais c'est un peu dommage. Mais par contre, voilà, là ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble. Et je m'emmerde pas du tout sur le jeu. J'ai même recommencé le niveau là. Et voilà, ça me plaît toujours autant. On oublie assez rapidement que les graphismes sont un peu moisis, comme je vous disais au départ. Ok. Et on y va. Par contre, j'utilise pas les coups spéciaux. Voilà, je devrais. Voilà. Non, les utilisant, on est tranquille. Hop. Assez d'énergie pour ça. Ah, mais ça va venir. Donc là, les coups spéciaux, j'utilise en utilisant L. Non, c'est... J'ai pas assez d'énergie pour ça. Donc là, faut vraiment jouer avec la vitesse pour éviter de perdre un maximum de vie, parce que bah il y a la dose de Romain. Voilà. Entrer dans le jeu, excusez-moi, je parle pas, mais j'essaie de défoncer tous les Romains. Voilà, donc j'utilise mes pouvoirs spéciaux. Bon bah on a réussi. C'est pas trop mal, on se débrouille pas trop bien. Pas trop mal, excusez-moi. On se débrouille plutôt bien, je veux dire. Bon après on est dans un camp de Romains, donc c'est normal qu'on trouve une foison de Romains. En mode difficile, à voir ce que ça donne. Je les bute tout sympa, hein, nickel. On avait la dose dans l'attente là qui nous attendait. Ah. Ok, après j'espère qu'on va récupérer son épée. Il donne l'alerte mais il me saoule. Du coup je sais pas comment faire pour le récupérer. Ah, il faut que je remonte là-haut. Ah, de donner l'alerte toi. Je pensais. Ah. Là on va aller chercher l'autre. Voilà. Chercher l'autre trou de balle là. Qui arrête pas de me dénoncer depuis tout à l'heure. Allez hop, dégage.
j'adore. Obélix qui arrive comme ça, on dirait Flash. Je n'ai pas assez d'énergie pour ça. Bah, t'en avais de l'énergie tout à l'heure. Et voilà. Donc si vous appréciez ce let's play, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Tous les retours sur le jeu. Si vous pensez l'acheter, bah n'hésitez pas. Vous me le dites dans les commentaires pourquoi. Si vous l'achetez pas, dites-moi le aussi pourquoi vous n'allez pas acheter ce jeu-là. Si vous attendez quelque chose de particulier par rapport à ce jeu-là. Et que bah il n'y a pas dans XCL 3. Hop. On en discutera ensemble, on pourra échanger nos points de vue. Allez hop, chose de fait. Et voilà, pas de tapette. Ah, je cherche le truc. 836? Ah quand même. Là qu'on veut aller. Oh, 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 oh. Et oh, il faut que je trouve l'interrupteur. Okay. Bon, rejoindre le coop option. Donc là, on n'a pas vu le menu. On va donc rejoindre en coop au niveau des options. Voilà les commandes. Donc état du menhir, interaction, bon en avant, attaque. Donc on voit bien que la flèche directionnelle ne sert à rien. Voilà le gamma. On peut revenir sur la difficulté, ça c'est bien aussi. Pour les durs, les réductibles, sortir du camp, quitter, reprendre. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. Donc Astérix et Obélix XXL3, le menhir de cristal. Alors moi personnellement, bah j'aime bien ce jeu. De là à mettre 40€ dans le jeu, là-dessus, bah pareil, hein, je reste mitigé. Je sais pas si je mettrais personnellement 40€. Donc moi je vais acheter le jeu, d'accord? Mais si je devais l'acheter, je me mets à la position du joueur, du consommateur. Est-ce que je mettrais 40€ dans le jeu? Je resterai incertain, j'attendrai d'avoir le jeu en occasion pour en profiter. C'est pas le jeu qu'on veut absolument comme Mario Odyssey ou Zelda. Ça on le sait clairement. C'est un bon petit jeu comme ça, hein. C'est le jeu du dimanche à jouer sur sa Switch en mode portable. Bon après si vous l'avez sur PS4 ou Xbox One ou PC, bon bah là il n'y a pas de mode portable disponible. Mais du coup avec des graphismes beaucoup plus améliorés. Parce que là le gros point noir du jeu, et pour moi, c'est les graphismes. On a vu beaucoup plus beau avec Luigi par exemple. Où c'était vraiment, vraiment propre. Et là, bah, Astérix et Obélix, on le voit bien. Hein, vous le voyez autour, hein, le détouring des personnages et tout ça, c'est pas terrible. Ça scintille un peu, là, on le voit bien hein, au niveau des ombres et tout. C'est pas terrible. Et là, on tourne en 1080p sur Nintendo Switch. Bon, voilà. Donc, chacun fera son avis là-dessus. Moi, personnellement, attendez de l'avoir d'occasion. Je reviens dessus, je vous le dis. Plutôt que de partir sur le jeu neuf. Par contre, il ravira évidemment les plus petits. Et les plus grands fans de la série. Donc pour les plus petits, vous avez vu, hein, là je suis en mode facile. C'est relativement facile, parce que j'ai quand même perdu. Mais bon, j'étais en phase de découverte et de let's play avec vous. Commenter. Mais pour les petits, ça ira largement. En plus, en français, avec des belles voix, le son correct. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, à part des graphismes un peu plus évolués, puisqu'on sait que la Nintendo Switch peut faire mieux. Donc voilà pour ce test d'Astérix et Obélix. Je vous dis à la prochaine. On va se retrouver très rapidement aussi sur Nintendo Switch pour un autre petit jeu, un party game. Voilà, j'en dis pas plus. Et je vous dis à la prochaine. Salut !